Le chèvrefeuille du Japon. Nom latin, Lonicera japonica. Famille, Caprifoliaceae. Nom commun, chèvrefeuille du Japon. Propriété. Considéré comme antibactérien, anti-inflammatoire, antispasmodique, antiviral, dépuratif, diurétique, fébrifuge. Des études ont montré des propriétés antipyrétiques, anti-inflammatoires, analgésiques, anti-angiogéniques, anticancéreuses, antibactériennes, cicatrisantes, antidiabétiques. La vigne, les feuilles et les fleurs sont considérées comme antifébriles, correctrices et astringentes. Partie utilisée. Vigne, feuilles et fleurs. Distribution. Asie de l'Est, Philippines, Chine, Japon, Corée, Europe, Grande-Bretagne, France. Botanique. Le chèvrefeuille du Japon est une plante ornementale, est un arbuste rustique, grimpant bas ou traînant, jusqu'à 5 mètres ou plus de hauteur. Les feuilles sont oblongues, oblongo-ovales ou ovales, de 3 à 6 cm de long, de 1,5 à 2,5 cm de large, pointues ou émoussées à l'extrémité, émoussées à la base et portées sur de courts pétioles. Les fleurs sont tubulaires, de 3 à 4 cm de long, blanches, mais jaunissant avec l'âge, portées par paire à l'aisselle des feuilles sur les jeunes pousses. La corolle est lisse, le tube élancé et s'élargissant progressivement, le membre a deux lèvres, la lèvre supérieure large, dressée et divisée en quatre segments de sangle, et la lèvre inférieure ayant un segment recourbé en forme de sangle linéaire. Les baies sont noires. Constituant. La vigne contient de la saponine, des tanins et des cendres. Les huiles volatiles de la fleur et des tiges étaient très similaires les unes aux autres, l'acide palmitique et l'acide linoléique sont les principes les plus élevés. Utilisation culinaire. Les fleurs et les feuilles sont comestibles. Un thé est fait à base de feuilles, de bourgeons et de fleurs. Les feuilles sont cuites comme légumes. Médecine rurale. Toutes les parties aériennes, feuilles, bourgeons de fleurs, fleurs, sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise. Plus de 500 prescriptions contenant Lonicera japonica sont répertoriées dans la pharmacopée de la République populaire de Chine. Lorsque le virus du SRA a frappé la Chine en 2003, c'était la plante la plus utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour traiter la maladie. La vigne, les fleurs et les feuilles sont utilisées pour augmenter la vitalité et prolonger la vie. Utilisées pour les infections et les intoxications. La plante est considérée antisyphilitique. Une infusion de tiges et de fleurs est utilisée pour le rhume, les infections des voies respiratoires supérieures et les symptômes pseudo-grippaux. Une infusion est utilisée dans les lotions pour les ulcères et les abcès. Les fleurs sont appliquées comme lavage pour les inflammations cutanées, les éruptions cutanées et les plaies. Autre. On dit que la plante est insecticide. Danger. Les feuilles contiennent des saponines. Les saponines sont assez toxiques mais sont mal absorbées par le corps humain et donc la plupart passent sans dommage. Une cuisson minutieuse éliminera normalement la plupart des saponines.